Bonjour. Aujourd'hui, nous allons revoir ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine et nous allons voir l'implication des États-Unis dans cette guerre. L'implication des États-Unis dans cette guerre à travers des combattants étrangers. Parmi ces hommes, Eman Awan, un Syrien. C'est l'un des premiers à arriver en Bosnie et il va devenir l'intermédiaire incontournable entre les autorités bosniaques et les chefs des combattants étrangers. On le voit ici discutant avec le président bosniaque Alija Izetbegović. Cette guerre qui, je vous rappelle, a fait, en tout cas pour ce qui est croate, bosniaque et serbe, à peu près 120 000 morts. Et voici un personnage que vous connaissez bien si vous me suivez sur YouTube. Il s'agit de Madeleine Albright. Ouais, Madeleine Albright. Today, we are dedicating the future site of the American Embassy in Sarajevo, the undivided capital of the independent and sovereign state of Bosnia-Herzegovina. Without seeming too presumptuous, I would like to repeat the words stated more than 30 years ago by President Kennedy, Ja sam Sarajevka. Cette femme a joué un rôle principal dans ce qui est de la dislocation de l'ex-Yougoslavie. La voici à Sarajevo, ambassadrice d'honneur. Mais rappelez-vous ce qu'elle disait des enfants irakiens qui étaient morts à cause des sanctions américaines sur Saddam Hussein. Rappelez-vous de ça. Cela fait plus d'enfants morts qu'à Hiroshima. Qu'en pensez-vous? Cela en vaut-il le prix? C'est un choix très difficile. Mais nous pensons que c'est un prix à payer. 1990, une date importante à Tuzla. Tuzla, en Bosnie-Herzégovine. C'est le président bosniaque qui parle. Moram reći ovdje otvoreno, Bosna neće ostati u krnjoj Jugoslaviji. Drugim riječima, Bosna neće i ne pristaje da ostane u velikoj Srbiji i da bude njen dio. Mais Izetbegović ne parle pas au nom de tous les Bosniaques. Un tiers d'entre eux sont serbes. Ils veulent que la Bosnie demeure dans la Yougoslavie, où vivent la plupart des Serbes. Au Parlement, leur leader lance un avertissement. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao. Evo umjesto gospodina Janović, gospodin Izetbegović. Njegov način izlaganja, njegove poruke, možda na najbolji način objašnjavaju zašto mi i možda nećemo više da ostanemo u Jugoslaviji. To večeras govorim ovdje. L'implication de l'Allemagne auprès de la Croatie pèse beaucoup dans l'avenir de la Bosnie-Herzégovine. Il faut préciser qu'au début de ces tensions, la Croatie était déjà indépendante, c'est-à-dire en 1991. The Germans bludgeoned the rest of the community into recognizing the rebel republics. They'll recognize Slovenia and Croatia on Thursday, regardless. Es hat sehr viel Spekulationen gegeben, die Bundesregierung könne in dieser Frage isoliert sein. Aber es war eine sehr, sehr schwierige Verhandlung und ich sage, das Ergebnis übertrifft die Erwartungen, die wir haben. La Croatie a voté pour son indépendance. Les Bosniaques veulent la même chose. Pendant des siècles, musulmans, serbes et croates ont vécu ici ensemble. Ils doivent désormais décider de leur avenir. La moitié des républiques yougoslaves ont opté pour l'indépendance. Maintenant, c'est aux Bosniaques de choisir. Mi smo sami sebe doveli
On avait créé une situation dans laquelle la Bosnie était condamnée. La quasi-totalité des Serbes voulait rester dans la Fédération yougoslave. Mais les musulmans et les croates voulaient en sortir. Le président Izetbegovic organise donc un référendum sur l'indépendance. Et comme les musulmans et les croates sont majoritaires, sa volonté l'emporte. Comment la guerre a-t-elle commencé? Ce sont les nationalistes qui ont foutu le bordel à la victoire des élections. So we are expecting very fast recognition of the republic. Il pense certes qu'il y aura des troubles, mais ne se doute pas qu'ils viendront de son propre camp. Tout commence lors d'un mariage serbe, quand les invités arrivent. Un musulman tue le père du jeune marié. La nuit même, les Serbes se vengent. Leurs miliciens érigent des barricades dans toute la capitale bosniaque. Une grande manifestation est organisée pour la paix à Sarajevo. En effet, la plupart des Bosniens ne veulent pas la guerre. Ils se méfient de tous les extrémismes, aussi bien du président bosniaque que des extrémistes serbes. Predsjedniče Karadžiću, predsjedniče Izetbegoviću, kao ljudi koji predvodite dva naroda, vi znate koja je u ovom trenutku vaša odgovornost. Mi apelujemo u ime javnosti koja se javlja masovno telefonima i koja predlaže vaš sastanak. Izetbegović demande à la police et aux milices bosniaques de défendre le pays. Le lendemain matin, des milliers d'habitants de Sarajevo descendent dans la rue pour exiger la paix. Ils voient la tradition de tolérance de la ville, où le nombre de mariages mixtes est le plus élevé de toute la Yougoslavie, en danger de mort. Ils investissent le Parlement. Vlada se raspala, narod je prepušten sam sebi. Il s'oppose au nationalisme, d'Izetbegović comme de Karadžić. Le leader serbe les observe depuis son bureau de l'Holiday Inn, juste en face. Mais, problème, la foule se précipite vers le QG de Karadžić. Karadžić, le serbe. Et le docteur Karadžić appelle des policiers et ceux-ci, malheureusement, tirent. Il y aura 6 morts. Très vite, la police d'Izetbegović reprend le contrôle du centre, son bastion. Moi, vraiment, je ne voulais pas faire la guerre. J'avais voté au référendum pour l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Nous ne voulions pas être dirigés par des gens qui usent de leur pouvoir. Par exemple, Slobodan Milosevic, qui ne voulait pas voir la Bosnie comme le creuset de toute la nation, avec des Croates, des Serbes et des Bosniaques. Les Serbes se décident à lancer l'assaut contre Sarajevo. Et d'un seul coup, j'ai été obligé de prendre un uniforme, de prendre une arme que je n'avais jamais voulu prendre. Si je pouvais, je casserais la crosse de mon fusil au coin de la maison. Et je me ferais la malle, direction la France. Ah.
Paris, mon vieux, c'est les balades. Et moi, je suis là à attendre comme un con de prendre une bastos dans la tête. Welcome. Welcome. This is the Dobrynya place. Welcome. Yes, I know. Attaquant sur trois côtés, les forces serbes, appuyées par les chars et la puissance aérienne de l'armée fédérale, convergent vers le centre. We don't accept any confederation in Bosnia-Herzegovina. We don't expect. L'ONU arrive à Sarajevo. Le convoi journalier de l'ONU apporte vivres et médicaments. Ce sont les obus qui viennent d'où ? Ah, je peux vous dire. Ici, on ne sait pas trop quoi. Ça va, ça vient un peu de partout. Alors, en quelques mois, l'armée bosniaque est absolument débordée par la pression serbe. Une internationale islamiste est créée. Ses combattants viennent du monde entier. C'est dans un pays qui pratique un islam ouvert et tolérant qu'arrivent les premiers moudjahidines. Il y avait une sorte d'agence humanitaire appelée l'Agence d'aide au tiers-monde, la TWRA. Cette agence a été fondée par un homme d'affaires soudanais qui connaissait Osama Ben Laden depuis bien longtemps. Et ce sont eux qui organisaient l'acheminement des moudjahidines en les faisant venir sous le couvert de membres de l'association. Parmi ces hommes, Eman Awan, un Syrien. C'est l'un des premiers à arriver en Bosnie et il va devenir l'intermédiaire incontournable entre les autorités bosniaques et les chefs des combattants étrangers. On le voit ici discutant avec le président bosniaque Alija Izetbegović. Début 1992, Eman Awan est aussi chargé d'accueillir les nouvelles recrues. Ce qui nous motivait tous, c'était de venir en aide aux musulmans bosniaques, nos frères de religion. Mourir au nom d'Allah pour aider l'un de ses frères, c'est pour un vrai musulman la plus grande des motivations. Mais pourquoi et comment ces volontaires sont-ils arrivés en Bosnie-Herzégovine? Certains avancent que les États-Unis ont mis un vrai coup de pouce. Fin 1992, les volontaires comme Eman se comptent déjà par centaines. Derrière ce flot incessant, la CIA. Pour les Américains, ces combattants sont une formidable aubaine. Ils vont servir leurs intérêts à la place des Marines de l'US Army. Les Américains voulaient affaiblir le continent européen en créant un incendie dans le jardin de l'Europe. Et donc, dans les Balkans. Pour faciliter l'arrivée des Afghans, ils utilisent la Croatie du président Tudjman. Les troupes sont acheminées par le port de Split et se rendent au front avec la bénédiction des Croates. Pendant de longues années, j'ai été le directeur des services secrets au sein du commandement de l'armée de Bosnie, et ce jusqu'en 2002. Je sais donc de sources sûres, à travers les nombreux contacts que j'ai eus avec la CIA et les autres services de renseignement, que les Afghans étaient acheminés grâce à un accord passé avec l'armée croate, c'est-à-dire le président Tudjman lui-même. Le but était de provoquer le chaos et la guerre. Pour mener leur campagne guerrière, les Américains vont s'appuyer sur les riches monarchies pétrolières. Armes, troupes et équipements sont acheminés avec l'appui de la CIA. Mais les fonds viennent de pays comme l'Arabie Saoudite, la Turquie ou même l'Iran. Comme vous allez le voir sur ces images, ils sont reçus officiellement
par le président bosniaque. Le côté opérationnel de la brigade est pris en main par Abou El Mali, un Algérien que l'on surnommera le petit Ben Laden en raison de son extrémisme. Le général Morillon dirige l'ONU à ce moment-là. Il vient à Srebrenica voir la population musulmane qui s'est réfugiée dans la ville. Srebrenica, danas moderan grad, jedna je od najstarijih naseobina u našoj zemlji. Nepregledne šume i obilje vodenih izvora privukli su ljude da ovdje osnuju svoja staništa. Dans les premiers mois de la guerre, Srebrenica est devenu le refuge de milliers de musulmans chassés de chez eux. Les forces serbes ont alors assiégé la ville. Au printemps 1993, ils lancent leur offensive finale. J'ai eu le sentiment qu'il s'agissait de balayer la région et de la vider. En disant, c'est fini maintenant, ces types-là nous ont fait trop de mal. Le général Morillon prend personnellement le commandement d'un convoi alimentaire destiné à Srebrenica. Donc j'ai tout fait à ce moment-là pour leur dire, vous me dites que vous voulez la paix, je veux bien vous croire, je vous crois sincère, montrez votre sincérité, laissez-moi aller là-bas. Les Serbes cèdent. Morillon pourra entrer dans Srebrenica. Et ayant affirmé les droits d'accès des Nations Unies, Morillon repart pour son quartier général de Sarajevo. La foule s'amasse. Certains nous remettaient des lettres, d'autres nous demandaient de contacter des gens. Et puis on a mis les moteurs en marche et on est parti. Et on avait vraiment l'impression de se défiler. Je ne sais pas si on était otage ou prisonnier, mais en tout cas, on ne pouvait plus bouger. La manifestation n'est cependant pas aussi spontanée qu'il y paraît. J'avais envoyé un message codé à notre commandant qui disait « Bloquez Morillon à Srebrenica, jusqu'à ce qu'il garantisse la sécurité de la population là-bas. » Deux jours durant, Morillon est retenu dans le bâtiment de la poste. Il lui faut s'échapper. Il m'a dit, as-tu un drapeau? J'ai dit oui. Un drapeau de l'ONU? Oui. Formidable. Il m'a dit, il me faut un porte-voix, quelqu'un l'a-t-il un? Et on en a trouvé un. Alors le général, avec la voix de quelqu'un qui fume 40 Davidoff par jour, a hurlé dans son porte-voix. Il a décidé de rester. On pensait tous qu'on était prisonniers. Mais le général a retourné la situation et ils applaudissaient. But if this doesn't work, General, what do you think it will do to the people? Because they want to work. It will work. It will work. Le général Morillon a pris beaucoup de risques. Je crois que si on les réécoutait, un certain nombre de choses qu'il a dites sur l'instant pouvaient induire en erreur, voire même excéder un peu la limite. De fait, la promesse de Morillon est rapidement mise à dure épreuve. Good evening. The battle for Srebrenica tonight appears to be over. Only the terms of the surrender remain to be worked out. The Security Council is meeting as we go on air in an atmosphere of extraordinary confusion. Le général Morillon les avait mis dans une situation terriblement inconfortable, où pour la première fois, ils étaient réellement impliqués dans la confrontation avec Belgrade et les Serbes, ce qu'ils ne voulaient pas. Le texte final sonne très dur, mais les Européens ont gagné. Ils ont fait barrer le mot sanctuaire. Et au lieu de défendre la ville contre les Serbes, les Nations Unies demandent simplement aux partis en guerre de la traiter comme une zone de sécurité. Those against, the draft resolution has been adopted unanimously as resolution 819. Les Croates qui avaient laissé pendant très longtemps l'international islamiste passer par la Croatie pour s'infiltrer en Bosnie-Herzégovine en ont assez. Ils en ont assez, ils ont eu
des soldats de tuer, d'égorger. Ils en ont marre. Bosnie, ce qu'ils voulaient, c'est mener un djihad contre tous les chrétiens. D'ailleurs, les djihadistes finissent par se retourner contre leurs alliés croates, des chrétiens. Au printemps 1993, excédés, les Croates coupent les voies d'acheminement qui traversent leur territoire et font prisonnier plusieurs moudjahidines. Leur réponse va être cinglante. Les volontaires étrangers, à ce moment-là, se retournent contre leurs anciens amis. Quelques semaines plus tard, lors de deux opérations spectaculaires, le commando enlève quatre membres des services secrets croates, six soldats, ainsi que le commandant en second de l'armée croate. Ces otages, ici à l'image, vont être détenus dans un lieu tenu secret. Mais surtout, le 15 avril 1993, les Moudjahidines s'offrent une prise de choix. Le commandant en chef des forces croates en Bosnie. Le commandant va se plier à une humiliante mise en scène. Puštanje svih na slobodi uhičenih stranih državljana koji su došli u Republiku Bosnu-Hercegovinu da je brane. Cette mise en scène filmée ne va pas s'en rappeler les vidéos d'otages qui deviendront une arme de propagande redoutable au profit d'Al-Qaïda. Excédés, les Croates, les casques bleus et même les Bosniaques vont ordonner aux Moudjahidines de relâcher leurs otages. Dans les montagnes des Balkans, la traque est lancée. On veut retrouver les ravisseurs. Sans succès. En mai 1993, les Croates, la force internationale et les Bosniaques capitulent. L'échange des prisonniers a lieu sous l'égide des Nations Unies. Le symbole est fort. Face à cette situation, le président croate Franjo Tuđman a coupé tous les soutiens aux musulmans qui participaient à la guerre civile en Bosnie. Mais le nouveau président américain, Bill Clinton, a fait pression sur le président croate Franjo Tuđman pour qu'il arrête ce blocus et permette aux armes et aux nouvelles recrues de transiter jusque sur le front bosniaque. Et ce, même si celles-ci étaient des combattants d'Afghanistan qui venaient avec le soutien d'Oussama Ben Laden. Alors les Bosniaques acceptent finalement la création d'une brigade de Moudjahidin. Nous sommes le 13 août 1993. Le président bosniaque veut féliciter ces combattants pour leur courage. Dragi vojnici, dakle, čestitam vam na pobjedi, još jedan put. Zahvaljujem vam se ispred našeg naroda za ono što ste učinili. Došao sam da vas vidim. Učinili ste vrlo važnu stvar. Mais pourtant, cette brigade s'est vraiment illustrée pour ses crimes de guerre, pour ses massacres de population. Voici ce qu'il se passait au camp de Gostovitch. Des Moudjahidines jouaient au foot avec la tête d'un ennemi devant une foule impassible. Mais la cruauté des Moudjahidines ne se limite pas aux ennemis. Même lorsqu'ils se trouvent avec les militaires bosniaques, dont ils sont pourtant les alliés, ils sèment la terreur. Nos unités de la 28e division se sont rencontrées avec la brigade des El Moudjahidin, pas très loin du village, près de l'école. Nous avions 10 prisonniers, des soldats de l'armée serbe de Bosnie, je crois. Les forces Moudjahidin avaient arrêté une vieille femme. Dans ce face-à-face, nous en sommes venus. Je
calme les choses. Ils voulaient nos prisonniers. J'ai donc dit à mon second de les emmener loin d'ici afin de les sauver. Pendant ce temps, les Mujahideens ont commis des atrocités sur la vieille femme qui avait plus de 75 ans. Ils l'ont égorgée. Puis ils ont commencé à insulter nos soldats, disant que nous n'étions pas de vrais musulmans, que nous n'étions pas liés à l'islam. Alors, afin d'éviter la confrontation, je m'en suis sorti par un coup de force. J'ai tiré sur toutes les chopes de bière avec mon pistolet. Quand ils ont vu que j'avais détruit les canettes d'alcool, ils sont partis. Ça a sans doute évité un affrontement sanglant car les fusils étaient prêts à tirer des deux côtés, comme entre deux ennemis. Zastrašivat ćemo Allahove subhanahu wa ta'ala neprijatelje i terorisati ih dok ne bude Allahova džennešanu vjera gore. Time magazine exhibe des photos absolument épouvantables de prisonniers bosniaques. C'est une horreur. Là, on croit revenir vraiment au camp de concentration de la guerre de 40. Certaines campagnes tiennent de la pure manipulation, comme cette vidéo de prisonniers bosniaques affamés prise dans un camp serbe. In this situation, à cette occasion, le président bosniaque Izetbegović et ses conseillers américains ont présenté ces images à l'opinion publique occidentale comme étant celle d'un camp de concentration en Bosnie. Sur la première page de Newsweek ou du Time magazine, par exemple, on voit des prisonniers musulmans derrière des barbelés, exactement comme à Auschwitz. Et du jour au lendemain, les Serbes sont apparus comme les nouveaux SS. Et les musulmans comme de nouveaux juifs. Mais c'était de la manipulation, car il ne s'agissait pas d'un camp de concentration. Sur l'extrait d'origine, les prisonniers expliquent en effet qu'ils sont bien traités et qu'ils sont nourris. Mais le mal est fait. Lord Owen explique à la télévision américaine ce que sera son plan. Son plan de sauvegarde pour la Bosnie. If we're going to get peace by negotiation, then we've got to get these three peoples together. They've got to learn how to share power, and they've got to share the country, and we've got to stitch it together again. Il ne s'agissait pas seulement de remettre ensemble, je dirais même raccommoder le pays, mais d'effacer tout nettoyage ethnique. La Bosnie resterait un pays, avec 10 provinces, chacune maîtresse de l'enseignement, des transports et ayant sa propre police. Les Serbes locaux pourraient ainsi contrôler l'essentiel des territoires conquis. Mais les provinces seraient organisées de telle sorte que les Serbes ne pourraient constituer un État séparé. Il arrive à Belgrade et fait cette déclaration. Les Nations Unies lui ont donné une nouvelle arme. La menace de sanctions aggravées contre la Serbie et son allié monténégrin s'il ne soutient pas le plan. What is at issue is whether the Serbian people in Bosnia-Herzegovina, in Serbia and in Montenegro take on the world. Ce dimanche matin-là, j'avais pour la première fois le bâton et la carotte. Le bâton, c'était la résolution de l'ONU qui aggravait les sanctions. Et il y avait la carotte qui était le plan lui-même. Pour nous accorder ce que nous voulions politiquement, de manière à ce que nous arrêtions la guerre. L'essentiel pour nous, c'était une égalité de traitement pour tous les groupes ethniques. Et le plan Van Soen nous l'a garantissé. Le président bosniaque, Alija Izetbegović, a déjà approuvé le plan, de même que le président Tudjman de Croatie et les Croates bosniaques. Il ne manque plus que les Serbes de Bosnie. J'ai dit à Milosevic, si nous signons, il y aura d'énormes troupes des Nations Unies qui seront déployées ici.
et nous serons isolés. Mais Owen est convaincu que le président Milosevic, maître du jeu sur le plan financier et militaire, obtiendra leur signature. Ελπίζω και προσεύχομαι το μήνυμα από την Αθήνα προς τους βασανισμένους λαούς της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να είναι μήνυμα χαρμόσυνο. Dès la fin de la session formelle d'ouverture, Milosevic rassemble les Serbes bosniaques dans sa suite. Il les assure qu'en soutenant le plan, il ne les trahit pas. Karadzic ne saisissait pas tous les avantages de ce plan. Il était beaucoup trop obsédé par les problèmes territoriaux. Milosevic a dit, es-tu aveugle, Radovan? Tu ne vois pas que nous disons la même chose? Serions-nous si stupides? Le lendemain matin, il n'était toujours pas convaincu. Et à midi, toujours pas. Il allait être une heure de l'après-midi. Tout le monde nous pressait d'accepter. Même les garçons qui nous montaient le café nous demandaient « Est-ce que vous allez signer ?» Puis Milosevic a dit à Karadzic « Le moment est venu. » Karadzic a grincé des dents, pris son stylo et signé. L'Assemblée des Serbes de Bosnie, c'est l'échappatoire de Karadzic. Il n'a signé à Athènes que sous réserve de ratification du plan. Les délégués serbes siègent dans leur nouvelle capitale autoproclamée de Pale, une ancienne station de ski. Le premier ministre grec, Constantin Mitsotakis, accompagne Milosevic. Karadzic explique dans quelles conditions il a signé le plan. Je leur ai dit que le plan était catastrophique. Mais j'ai dit aussi, l'ayant signé, je dois l'appuyer. Quand nous avons vu ces cartes, Milosevic et moi avons été frappés de stupeur. Nous ne comprenions pas où il voulait en venir. I ovo je rezultat našega rukovodstva, našega naroda i naše vojske. Mladić a présenté deux cartes. Sur la première, on voyait les territoires que nous contrôlions, et ensuite il nous a montré en quoi consistaient les propositions Van Soen. Les délégués n'ont pas eu besoin de réfléchir. On voyait tout de suite l'ampleur des territoires que nous devions abandonner. Milosevic prend la parole. On a cru un moment qu'il allait faire changer tout le monde d'avis. Osnaženje potpisa koji je stavio Radovan Karadžić u Atini, odluka u interesu srpskog naroda u Bosni i u interesu celog srpskog naroda. Il commençait à accepter nos arguments. Snaže argumente i da donesu poslije. Mais il y a eu une suspension de séance. Krajišnik je označio pauzu. Défiant ouvertement Milosevic, l'Assemblée des Serbes de Bosnie se réunit à huis clos. Milosevic et moi-même avons essayé d'entrer, mais ils ne nous y ont pas autorisés. C'est là que nous avons compris que la décision serait un non absolu. Il n'a pratiquement rien dit, juste « nous partons ». Et c'est tout. S'il vous plaît, ma voiture. Et voilà. Alors finalement, grand désespoir, parce que c'était vraiment quelque chose de très intéressant, ce plan. Finalement, le plan sera rejeté. Alors, quelques semaines plus tard, un nouveau front s'ouvre.
du côté croate. Car les Croates en ont assez. Ils veulent également bâtir un État en Bosnie-Herzégovine. Dans le sud, les Croates bosniaques, jusque-là alliés des musulmans, commencent eux aussi à bâtir leur État. Les Croates bosniaques se tournent contre leurs anciens alliés musulmans. La bataille est orchestrée par le commandant en chef de toutes les forces croates. Les musulmans, bien que faiblement armés, résistent. Et l'avance croate est brisée. En représailles, les Croates s'en prennent au pont de Mostar, que des musulmans avaient construit 400 ans auparavant. Mais les Américains entrent dans la danse. Ils brandissent l'arme des sanctions, sanctions qui sont déjà actives pour la Serbie, et les Croates s'arrêtent. Le président Tudjman est averti que s'il poursuit sa guerre contre les musulmans, la Croatie subira elle aussi des sanctions. La Croatie se serait ainsi retrouvée isolée dans les Balkans. Ainsi, probablement que la Serbie, tout aussi isolée. Et ça n'était pas une perspective particulièrement réjouissante pour un pays comme la Croatie. Les Américains savent que Tudjman veut récupérer ses territoires sous le contrôle des Serbes de Croatie. Et pour ce faire, il a besoin du soutien américain. Le président Tudjman risquait de ne bénéficier d'aucun appui de la communauté internationale pour récupérer les 27% de Croatie sous occupation serbe. Tudjman choisit donc la voie américaine. En quelques semaines, le président Clinton voit sa diplomatie triompher. Les présidents de Croatie et de Bosnie signent une alliance pour mettre fin à l'une des guerres de Bosnie. Il y a une explosion au marché de Sarajevo. Nous sommes en février 1994. Tous les jours, on recevait entre 40 et 50 blessés. Pendant que les blessés sont allongés par terre, l'hôpital est bombardé. Vous êtes censé décider qui opérait le premier. Mais en même temps, il y a des enfants qui hurlent. Comment choisir dans des circonstances pareilles? Lorsque vous étiez en train d'opérer un blessé, après avoir jugé qu'il avait la priorité, un autre, vous tenez la jambe avec sa main. Mais le temps de passer à l'autre second, il était mort. Sa main s'était relâchée. Même 20 ans plus tard, on se souvient de ces situations en se posant toujours la question. Est-ce que j'aurais pu faire plus? Est-ce que je me suis trompé? Et le nouveau président des États-Unis décide alors de frapper les Serbes. Avec quoi? L'OTAN. I have just completed a meeting with advisors discussing the terrible and outrageous incident in Sarajevo yesterday. Have you decided against airstrikes, Mr. President? No. But the authority under which airstrikes can proceed requires the common agreement of our NATO allies. Ce qui s'est traduit dès le lundi par le départ de Peter Tarnoff et de moi-même pour l'Europe afin de rencontrer nos alliés et lancer la chose. Ils ont 10 jours pour retirer leurs armes lourdes des collines dominant Sarajevo. Srbi nikad nisu primali ultimatume ni od koga, niti prihvatali, pa neće ni u budući. I nema potrebe nama ultimatume da se šalje. Ne priti razliku između ova dva. Nije nama ultimatum nikakav postavljen.
J'ai rejeté l'ultimatum. Céder n'aurait fait qu'ouvrir la porte à d'autres ultimatums de l'OTAN. Mais, en fait, les Russes interviennent et disent aux Serbes, nous allons arriver avec des troupes et personne ne pourra nous bombarder, nous. Les Serbes acceptent et retirent leur canon. À 4 jours de l'expiration du délai, John Major arrive à Moscou pour une rencontre au sommet. Les Russes sont furieux de la menace de l'OTAN contre leurs amis serbes. Quand l'ultimatum de l'OTAN est arrivé, nous avons eu très peur d'un embrasement général. Quelques heures plus tard, un envoyé spécial arrive dans la capitale des Bosno-Serbes, porteur d'une lettre du président russe. Ils l'ont lu à haute voix, et j'ai pu voir l'impression produite sur eux par une lettre dans laquelle le président russe les pressait de faire ce qu'il fallait qu'ils fassent. La Russie leur demandait de ne pas choisir l'affrontement, de reculer, et en guise de garantie, nous étions prêts à amener des troupes dans la région. Nous avons rapidement accepté. J'ai pensé qu'il était capital que Yeltsin soit impliqué et que des troupes russes viennent. Le dernier jour de l'ultimatum, des colonnes de troupes russes arrivent. Leur présence dans les zones autour de Sarajevo rend toute frappe de l'OTAN impossible. Les Serbes acceptent alors de retirer leur armement lourd. Mais l'OTAN va intervenir à Gorajde. C'est sa première intervention en Bosnie-Herzégovine. Et ils vont intervenir malgré la présence des troupes russes. C'est seulement lorsque 2 tanks serbes atteignent les abords de la ville que le général Rose demande une intervention aérienne de l'OTAN. I got the target on my nose. Hey, what are you aiming at, dude? I'm at an 8, right at a 10. We have bomb splash. Le premier bombardement dans l'histoire de l'OTAN frappe une tente, le PC serbe local. Mais les Serbes ne se laissent pas dissuader longtemps. Leur commandant, le général Mladic, riposte en se saisissant de 150 membres des forces de l'ONU sur son territoire. Ils sont désormais ses otages. It brought home to us. Il nous a fait comprendre les limites et les difficultés du recours à la puissance aérienne lorsqu'on a des forces exposées sur le terrain. Les Nations Unies envoient une délégation à haut niveau pour négocier la libération de leurs otages. Nous étions arrivés à un accord et nous apprêtions à prendre l'apéritif. Juste après la salade, nous avons reçu un message urgent nous disant que le général Rose essayait de nous rejoindre. En désespoir de cause, le général Rose doit utiliser sa radio en clair pour communiquer avec ses supérieurs. Il leur dit que pendant qu'il festoie avec les leaders serbes, ses troupes de Gorajde sont sous le feu des tireurs serbes. The situation has deteriorated very rapidly while you've been in the meeting. They're firing on our guys. We need air support now. Over. Ce fut une des aventures les plus surréalistes de ma carrière onusienne. Rose était à Sarajevo, Mladic à l'extérieur de Gorajde. J'étais ici et le représentant de l'ONU juste là. Nous avions 2 cartes et 2 téléphones. Sir, I don't think that by the time the message gets to the units on the ground, they will all be either dead or captured, over.
Nous étions dans la salle avec un soldat tenant un talkie-walkie dans lequel on entendait le commandant des Nations Unies envisager de faire bombarder les gens avec lesquels M. Karadzic était justement en train de discuter. J'étais furieux. J'ai demandé à Mladic, mais qu'est-ce que vous fabriquez ? Le général Mladic répond à son chef que ses armes sont braquées contre la ville et non contre les positions des Nations Unies. Si les soldats des Nations Unies sont bombardés, c'est de leur faute. J'ai insisté en disant que Rose nous disait la vérité. Et puis les Nations Unies ont reconnu que leurs troupes n'étaient pas là où elles auraient dû être. Et l'offensive serbe se poursuit. Cette nuit-là, le gouvernement bosniaque somme M. Akashi et le général Rose de venir s'expliquer. Le 24 avril 1994, Bill Clinton prend la parole. Shelling a hospital, shelling the UN headquarters, taking United Nations hostages when we have never been involved in the war against them, when all we did was to do what we said we would do all along, which is if they threatened our people, we would use air power. They are the complete aggressors and wrongdoers. Et le président Clinton exige des frappes aériennes immédiates. J'ai reçu des appels au plus haut niveau, exigeant qu'on fasse la guerre aux Serbes de Bosnie. Mais les Nations Unies ne sont pas d'accord. Seul un homme veut poursuivre les négociations avec les Serbes, l'envoyé spécial des Nations Unies, Yasushi Akashi. Il pensait que lui seul était en mesure d'empêcher une action qui risquait de faire déraper la mission de maintien de la paix. Push the peacekeeping mission over the edge. Dans l'Adriatique, 200 avions de l'OTAN sont prêts à prendre l'air. À Belgrade, l'envoyé spécial apparaît aux côtés de Milosevic et Karadzic pour annoncer un cessez-le-feu de plus sous les auspices de l'ONU. Et pendant ce temps, les Afghans de l'international islamiste continuent la guerre, aidés par les Américains. Voici ce que font les Moudjahidines. Ils se lancent à l'assaut des lignes ennemies au cri d'Allah est grand. Avec de tels combattants, des postes réputés imprenables tombent les uns après les autres. Ils étaient d'une brutalité extrême. Cruelle. Ils ne fuyaient devant rien. Luttaient avec violence. Et rien ne pouvait les arrêter. Et même pas lorsqu'il y avait des populations civiles en face d'eux. Tu n'avais pas le temps de lever les mains pour te rendre, qu'ils te tiraient déjà dessus. Quand tu es face à ce type d'ennemi, tu tires pour tuer ou tu te fais tuer. Le fait qu'ils aient beaucoup de succès militaire, mais aussi en raison de leur brutalité et de leur apparence physique impressionnante, ils n'avaient rien à voir avec les troupes contre qui on avait l'habitude de se battre. Les combattants étrangers veulent imposer la charia dans un pays qui s'y refuse. Et pour cela, ils vont employer la force. Ces documents du tribunal international attestent d'hommes frappés parce qu'ils fument, de bars saccagés car ils vendent de l'alcool, ou de femmes molestées car elles ne portent pas le voile. Les moudjahidines font aussi fuir les familles qui se baignent dans les rivières à coups de kalachnikov. Les moudjahidines, derrière qui se trouvait Oussama Ben Laden, voulaient avant tout créer un califat européen, c'est-à-dire un État musulman régi uniquement par la charia. Mais ils ont dû rapidement se rendre à l'évidence. Les musulmans bosniaques n'étaient pas disposés à vivre sous ces règles strictes. D'ailleurs, ceux-ci étaient en grande majorité des modérés qui avaient vécu en très bons termes avec les Croates et les Serbes, qui étaient tous chrétiens. Ils ont réussi quelques belles opérations militaires.
Mais au final, tout ce qu'ils ont fait, c'est commettre des atrocités. Ils ne nous ont rien apporté. Malgré l'importance qu'ils avaient au sein de notre armée, ils ne nous ont rien donné de bon. Leurs actes ont juste terni l'image de tous les soldats de l'armée de Bosnie. À l'image de ce colonel, plusieurs hauts gradés bosniaques manifestent leur colère auprès de leur hiérarchie. Mais la brigade El Mujahideen a su se rendre incontournable et le pouvoir fait la sourde oreille. Le président bosniaque Alija Izetbegović et son gouvernement de l'époque étaient d'accord pour dire que bien qu'ils aient reçu ce dont ils avaient besoin de la part des Afghans, ils avaient aussi reçu beaucoup de choses dont ils se seraient bien passés. En disant ça, il faisait allusion à la radicalisation islamiste et à ces extrémistes qui faisaient la promotion d'idées totalement étrangères à la culture locale. Des idées qui, d'ailleurs, dès le début, n'étaient pas acceptées par les musulmans de Bosnie. Et la guerre continue dans toute son horreur. Habitants et combattants la condamnent, quel que soit leur côté. Voilà, avec cette politique de malheur, nous en sommes là. Des hommes innocents s'entretuent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça va recommencer dans 10 ou 15 ans? À votre santé, que Dieu vous garde. Qu'est-ce qu'on vante? Mais au contraire, qui veut que je suis fort? De nouveau, ça recommencera. De grosses erreurs ont été commises, quand je pense à tout ce gâchis. Je veux pas la guerre. Qu'ils aillent se faire foutre. Pour des frontières, pour des nationalités. Jamais dans ma vie, personne ne m'avait parlé de nationalité. Parce que je le répète tout le temps, le problème il n'est pas entre les gens. Il n'y a pas de problème entre les musulmans et les serbes. Il n'y a pas de problème entre les serbes et les croates. Parce qu'ils sont tous bosniaques. Le problème il est chez les hommes politiques. On nous a précipités dans la guerre, alors que la paix était encore possible. Simplement, si nous on aurait pu faire les choses autrement, mais c'est les autres qui nous laissent. Et maintenant, qu'est-ce qui va devenir? Ça, de chez moi, c'est je l'ai tué. Je ne sais pas. Et nous voilà en mai 1995. Les lignes de front n'ont pas bougé. La guerre continue, mais les lignes de front n'ont pas vraiment bougé. Et la tension atteint son paroxysme lorsque les Serbes prennent une position clé à Sarajevo. Une position clé qui était tenue par les forces françaises. Et il y a des prises d'otages. Alors moi, je crois que c'est là où la force de l'ONU bascule complètement. À partir de la prise du pont, l'ONU bascule. Et que fait l'ONU? Eh bien, c'est simple, les Français reprennent le pont. Par les armes. Il y a 2 morts du côté français et 17 blessés. De l'autre côté, 4 morts serbes et plusieurs prisonniers. Et puis, il y a eu Srebrenica. Un massacre à Srebrenica.
Srebrenica est donc tombée aux mains des Serbes cet après-midi. Le porte-parole de l'ONU à Sarajevo l'a confirmé. Les Serbes de Bosnie ont pris le contrôle de cette enclave musulmane classée zone de sécurité de l'ONU. Il n'aura fallu que 5 jours aux Serbes de Bosnie pour contrôler Srebrenica, ville devenue refuge de milliers de musulmans. 5 jours de bombardements, de tirs, d'attaques. 40 000 réfugiés sont assiégés. Sur place, le personnel de Médecins Sans Frontières assiste à l'offensive. Un obus est tombé à trentaine de mètres de l'hôpital et a explosé la plupart des vitres. Ça rend effectivement le travail extrêmement dangereux pour les équipes de soins, ainsi que pour bien sûr les blessés qui sont amenés à l'hôpital. Srebrenica a été déclarée officiellement zone protégée par l'ONU en avril 93. Quelques centaines de casques bleus sont donc positionnés aux abords de la ville. Le 11 juillet 95, ils tentent de répliquer, mais la réponse internationale sera de courte durée. Appelés à la rescousse, les avions de l'OTAN sont rentrés en action. Ils ont détruit 2 blindés. Alors les Serbes ont lancé une menace. Si les frappes aériennes continuent, nous tuerons les 30 casques bleus que nous détenons. Les frappes ont été suspendues. Les Néerlandais ont dû évacuer leur position. Dès lors, la route de Srebrenica était ouverte aux assaillants. 1500 soldats serbes contrôlent alors la ville. Des milliers de réfugiés fuient vers Potokari, la base de l'ONU, espérant une protection. Mais sous les ordres du général Ratko Mladic et sous le regard des casques bleus, les hommes, les femmes, les enfants sont triés, embarqués dans des camions. D'autres réfugiés traversent la forêt pour tenter de rejoindre les zones libres. Traqués par les milices serbes, beaucoup sont exécutés. Certains arrivent à atteindre des campements de fortune. Celui de Valovice, par exemple, où se trouve le journaliste Frédéric Albert. Un vieillard se précipite sur nous. Je vais vous dire la vérité. Les Serbes ont tué 5000 hommes à Srebrenica. Tais-toi, lui lance un autre. Le vieux rentre dans le rang et s'en va s'asseoir aux côtés de ses femmes que la souffrance torture. Aujourd'hui, peut-être, il y aura des nouvelles. Peut-être. C'est cette espérance qui permet de tenir. La chute de Srebrenica, qui était alors sous la protection de l'ONU et de l'OTAN, est devenue un symbole de l'impuissance de la communauté international. Les crimes qui ont été commis ont été qualifiés de génocide par des cours de justice internationale. Pour en parler, Ronny Broman, ancien président de Médecins Sans Frontières, professeur de relations internationales à l'Institut des sciences politiques de Paris. Merci d'être avec nous. Savoir que la Russie a opposé son veto à un projet de résolution des Nations Unies reconnaissant le massacre de Srebrenica comme un génocide. Elle qualifie cette proposition de résolution avancée par la Grande-Bretagne d'agressif. Mais d'abord, Srebrenica est le lieu où a été commis un massacre sous les yeux de la communauté internationale organisée, c'est-à-dire d'un bataillon, en l'occurrence de soldats hollandais, mais enfin qui était là au nom de l'ONU pour protéger cette enclave. L'enclave a été attaquée, près de 8000 personnes, comme vous l'avez rappelé, ont été tués dans des conditions atroces. Donc le génocide, le terme génocide vous pose problème? Moi personnellement, oui, ça Pourquoi? Me pose un sérieux problème. Parce que il s'est agi, pour les milices serbes, de tuer les hommes en âge de combattre. Ils ont massacré tous les hommes, tous ceux qu'ils ont pu attraper en tout cas, qui avaient entre 15 et 50 ans. Ils ont explicitement exclu de leur massacre les femmes, les enfants, les vieux, c'est-à-dire au-dessus de 50 ans, et même les blessés. Les évacuations ont été organisées par eux, ont eu ce qui est une menace militaire pour nous. Mais aussi fonction de leur origine, ont eu quand même certains combattants, musulmans. Ils étaient tous des musulmans bosniaques. Voilà. Donc le groupe qui a été tué, c'était des musulmans bosniaques, qui était en âge de combattre. C'est un crime de guerre, un crime contre l'humanité, c'est une atrocité, ça ne fait absolument aucun doute. Cela étant, je pense que tout massacre ne relève pas de la catégorie de génocide, et qu'en inculpant pour génocide les gens qui ont fait cela, on dilue cette notion qui, à mon sens, mérite d'être conservée pour, par exemple, pour les Rwandais Tutsi. Là, il y avait une claire intention d'exterminer, d'annihiler l'ensemble de la population Tutsi du Rwanda. Et les frappes de l'OTAN s'intensifient. Sarajevo, le mardi 21 novembre 1995, il est 10h du matin, Sniper Avenue est calme.
Pas un coup de feu n'a été tiré pendant la nuit. Les habitants de la capitale bosniaque, quoique frigorifiés par l'hiver qui vient de s'abattre sur le pays, marchent tranquillement dans les zones à risque de la ville. La télévision gouvernementale parle peu des négociations en cours à Dayton. Ici, on en est à la 50e conférence de paix et on n'y croit plus beaucoup. Au théâtre municipal, on est vraiment très très loin de la guerre. Un cocktail a été organisé par des artistes bosniaques à l'occasion d'une exposition de peinture. Le colonel Kai est en charge de la protection de l'aéroport ainsi que de les zones les plus dangereuses de la capitale bosniaque. C'est lui qui contrôle les lignes du front d'Ilidja, de Nigarechi, ainsi que du Mongiman. Sa principale mission, veiller au respect du cessez-le-feu. Il a ainsi des contacts permanents avec les officiers bosniaques et serbes. Ne restons pas trop là. L'accord de paix a été repoussé? Nous avons entendu à RFI que l'annonce du succès ou de l'échec des pourparlers était retardée de 3 heures, donc de 16 heures, ça passe à 19 heures local. Inch'Allah. Un quartier de Sarajevo qui était coupé du monde. Il y a encore quelques mois, l'ambiance y est plutôt à la fête. En première page d'un quotidien bosniaque, ce titre, l'Amérique perd patience. Depuis le début de la guerre, un hôpital sponsorisé par l'Arabie Saoudite a été installé ici. À sa tête, un chirurgien palestinien. Une armée contre une autre, on peut oublier. Mais là, il y avait une politique de génocide. Ce sera très difficile d'oublier. Moi, je trouve qu'il était normal que les Arabes aident les musulmans. Il n'y a jamais eu de choses vraiment planifiées, mais c'était normal. C'était donc des décisions individuelles de gens qui voulaient combattre, nous aider. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'un musulman veuille combattre auprès d'autres musulmans. Un accord est trouvé à Paris. Il est signé aux États-Unis, à Dayton. L'accord prévoit en résumé que la Bosnie reste un pays uni composé de deux entités. La Serbe, en orange, compte 49% du territoire. Et la Fédération des Croates et des Musulmans, en jaune, qui en obtient 51%, dont Sarajevo. La capitale est réunifiée, les quartiers serbes passent sous contrôle croato-musulman. 45 mois après le déclenchement des hostilités, les présidents Milosevic de Serbie, Tudjman de Croatie et Izetbegovic de Bosnie-Herzégovine se sont assis à la même table pour signer. Quant aux casques bleus, ils seront remplacés par un contingent de 60 000 hommes qui se partageront le pays en trois zones. Les accords de Dayton prévoyaient, au plan politique, des échanges de territoires, la délimitation des zones correspondant à chaque entité ne correspondant pas aux zones de cessez-le-feu au moment des accords. Les accords politiques ont permis de transférer un certain nombre de territoires où étaient stationnées des troupes serbes et des populations serbes à l'entité bosniaque et inversement, avec effectivement une majorité de transferts de territoires serbes vers l'entité bosniaque. Mais il ne fait vraiment pas l'unanimité, loin de là, cet accord. Je dirais même qu'il est décrié par tous les acteurs de la guerre. Tous les acteurs de la guerre. Sauf les États-Unis. En fait, après les accords de Dayton,
les protagonistes du processus de paix ont décidé de diviser notre pays en deux entités, une qu'on appelle la République serbe et l'autre qu'on appelle la Fédération de la Bosnie-Herzégovine. Derrière cet immeuble, juste à 200 mètres d'ici, on a l'entité qu'on appelle la République serbe en Bosnie-Herzégovine. L'agresseur a reçu comme un cadeau. C'est absurde. C'est absurde parce qu'on parle de territoire qui a été ethniquement nettoyé. Après Dayton, il a fallu que je parte de ma maison, mes voisins aussi. Nous avons été chassés des Dinjareci, car cette localité était donnée à la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Moi, je ne voulais pas y rester. Donc c'était en 1996, quand les accords de Dayton ont été appliqués. Oui, moi, je me suis réfugié à l'Est. Un pays qui a toujours eu ce caractère multiculturel, qui a défendu son pluralisme identitaire, ne peut pas fonctionner comme ça. Ça va exploser un jour ou l'autre. Et ça s'est passé comment ? Eh bien, ça s'est passé mieux que nous le pensions, parce que nous pensions qu'il y aurait davantage de combats. Et ça ne s'est pas passé sans drame, puisque pour la ville d'Ilidza, par exemple, qui était à proximité immédiate de l'aéroport, cette ville est dominée par quelques minarets, mais surtout par des clochers d'églises orthodoxes. L'ensemble de la ville passant sous contrôle de l'entité bosniaque, les populations serbes ont dû abandonner leurs maisons, leurs églises, leurs cimetières. Ça s'est pas fait sans drame. Le pavillon des femmes. Les nombreux mariages mixtes entre musulmans, serbes et croates, qui en Bosnie faisaient la richesse de ce peuple, ont complètement éclaté. Les femmes, les premières, en ont souffert. Leurs maris, pour la plupart, ayant rejoint leurs parents de l'autre camp, avec leurs enfants en âge de se battre. De la famille ainsi détruite, il ne reste que des souvenirs et quelques photos. La femme a été rejetée par les siens. Elle s'était vendue à l'ennemi pendant des années. Elle avait osé aimer un homme qui n'était pas de sa tribu, de sa religion. Alors, désespérées, beaucoup d'entre elles ont craqué. Et puis il y a celles qui ne savent plus rien de leur famille, qui un beau jour a disparu dans la tourmente. Ivana est de celle-là. Elle s'est trouvée un jour jetée sur les routes de l'Exode, ses biens confisqués. Elle n'a plus qu'un désir, qu'une obsession, rentrer. Rentrer à tout prix. Je veux retourner là où je suis née, là où j'ai vécu. Je veux y retourner. Peu importe si je n'ai plus de maison. Même si je dois mourir, je veux y retourner. Je ne peux plus supporter d'être ici. Je veux y retourner. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je vais essayer de ne plus pleurer. Fin décembre 1995, la guerre est finie
et Sarajevo panse ses plaies. Je ne comprenais pas qui nous tirait dessus. J'ai mis un certain temps à comprendre que c'était nos voisins, nos anciens copains. Ensuite, c'est curieux, mes amis, mes camarades mouraient tous les jours à côté de moi. Et pour moi, c'était devenu presque normal. C'est après la guerre que j'ai pleuré mes amis. J'étais dans un hôpital en Allemagne, j'ai été opéré deux fois. Et là, je me suis soudain rendu compte du vide qu'ils avaient laissé. C'était épouvantable. En 4 jours, j'ai perdu mon fils de 12 ans et mon frère de 26 ans. Je ne m'en remettrai jamais, jamais. Je crois qu'ils sont toujours là. Je n'arrive jamais pas à m'expliquer pourquoi ils ne sont pas là. Pourquoi ils ne sont pas là? Et après les accords de Dayton, nous avons eu des modalités d'action quelque peu différentes et une subordination différente, puisque dès la signature des accords de paix, de casque bleu, nous sommes devenus des soldats de l'OTAN qui imposaient une solution sur le terrain, avec des autorisations de mouvement, d'opération beaucoup plus larges que celles que nous avions lorsque nous étions casque bleu. La force de mise en œuvre, l'IFOR, supervise la fin des hostilités, le transfert des territoires, le cantonnement des armes lourdes et la démobilisation. We created a ZOS, a ZOS, a zone of separation, 10 km wide, a demilitarized zone where no heavy weapons could be stationed. We had 60,000 troops, which meant that there were soldiers on every street corner. Considering it was NATO's first ground mission, I think it was a tremendous success. These were NATO-led operations, obviously based on NATO infrastructure, but they involved nations from outside of NATO participating, including the Russian Federation. En décembre 1996, l'IFOR est remplacé par la force de stabilisation, la SFOR, qui compte 32 000 hommes. Pendant les 9 années de présence des forces de l'OTAN en Bosnie-Herzégovine, 43 pays d'Europe et du reste du monde mettront des troupes à disposition. Le nombre de soldats passera progressivement de 60 000 à environ 7 000. Ce traité qui, de l'avis de tous, même de nos parlementaires, est un mauvais traité. Intervention de Jean-Luc Mélenchon sur la Bosnie à la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. J'oublie pas d'où on part. La Bosnie est le résultat de la méthode effroyable de démembrement de l'ex-Yougoslavie. Le point de départ est dans le fait que le gouvernement allemand a refusé d'entendre ce que demandait le gouvernement français, à savoir qu'avant qu'on reconnaisse les indépendances de la Croatie, de la Slovénie et de la Serbie, chacun des gouvernements reconnaisse d'abord le statut de sa minorité. C'était la demande française. Les Allemands sont passés outre et ont reconnu en 48 heures des entités dont les frontières n'étaient pas définies et les minorités non reconnues dans leurs droits. Ça, ce sont les faits. Pour terminer, après la déflagration générale, la Bosnie-Herzégovine, et la Bosnie était le pays le plus multiculturel et multiconfessionnel de toute l'ex-Yougoslavie. Et nous pensions, nous défendions, ceux qui à l'époque s'en occupaient, cette idée qu'il fallait leur donner leur chance. Les conditions effroyables de la guerre civile en Bosnie, alimentées et financées par toutes sortes de gens tout autour, ont abouti à ce résultat qu'il y a 3 collectivités, que chacune constitue une république sur une base ethnique et qu'elles sont fédérées dans la Bosnie d'aujourd'hui. L'absence de l'Europe et des pays européens, leur tellement visible implication dans le chaos qui régnait, a été telle que ce sont les Américains qui, après être intervenus militairement sur la Serbie dans le cadre de l'OTAN, ont parrainé ce qu'on appelle les accords de Dayton. Les accords de Dayton, c'est typiquement une invention américaine, c'est-à-dire une fédération d'ethnies qui constitue un État.
Voilà. Nous, les Français, on n'a jamais vu comme ça les États-nations. Ce n'est pas notre façon de voir le monde. Et nous ne croyons pas que ce soit une solution que de fabriquer un État en fédérant des ethnies. Parce que les ethnies restent et les États disparaissent. Et c'est ce qui se passe. Ne perdons jamais de vue les tendances longues et lourdes de l'histoire. Parce que sinon, nous sommes, me semble-t-il, condamnés à l'angélisme. Naturellement, je ne dis pas que ce que j'en dis, moi, veuille vous condamner à un regard noir sur l'histoire, mais réaliste. Hein. Dans cette zone-là, il n'y a pas d'innocents. Je suis tout à fait d'accord avec vous que, je l'ai dit, je le qualifie comme ça, les accords de Dayton ne sont pas un accord de paix. Voilà, c'est un accord de guerre. Mais que sont devenues les brigades islamistes ? Alors, beaucoup ont été obligés de quitter le territoire. Richard Holbrooke, le négociateur américain, impose aux Bosniaques de déporter tous les combattants étrangers, y compris ceux qui ont obtenu la nationalité bosniaque. À cette époque, près de 800 moudjahidines sont concernés, sur les 5000 qui sont venus en Bosnie. À contre-cœur, le président Izetbegović s'incline. Alija Izetbegović ne nous a jamais demandé de partir. Ce n'est pas dans les mœurs de ce peuple que d'expulser les gens qui les ont aidés. Mais bon, quand l'oncle Sam dit que c'est blanc, tout le monde dit que c'est blanc, et quand il dit que c'est noir pour tout le monde. Certains, en tout cas, sont restés et ont créé des familles. Oh my God! Ninja. Il n'y avait pas des gens comme ça avant la guerre. Ça, c'est des exportations des démocraties européennes. This is import from European democracy. Il n'y avait pas ce genre de personnes à Sarajevo avant la guerre. Jamais nous aurions permis ceci. Nous étions pour un islam modéré, que chacun vive sa religion chez lui. Pas pour ce genre de choses. Ceci est la conséquence de la guerre et l'arrivée du pays du Golfe. La religion joue un rôle très important dans notre société, qui est toujours laïque, mais la religion s'est infilée dans le tissu politique, social. Donc il faut être très prudent et il faut permettre ce pluralisme identitaire. La religion, je dis, c'est quelque chose qui peut nous unir si on est religieux, si on est croyant. Et si on croit à un Dieu, c'est le Dieu d'Abraham. Pour les catholiques, pour les juifs, pour les orthodoxes, pour les musulmans. Mais comment on peut permettre que ces choses nous divisent? C'est quelque chose qu'il faut cultiver, qu'il faut soigner. Comment faire comprendre ces choses aux gens. C'est un discours très simple, mais malgré le régime communiste qu'on a eu ici après la Seconde Guerre mondiale, avec le régime de Tito, la religion a toujours eu sa liberté en expression, disons. Pendant la guerre, après la guerre, on a eu des influences terribles de partout. Malheureusement, cette connexion parmi les musulmans, c'est-à-dire influence qu'on a eue des pays musulmans, arabes, et en particulier les combattants, les moudjahidines qui sont venus ici ont porté une, pour nous, une nouvelle interprétation, une nouvelle pratique de la religion.
les gens, les gens ont accueilli aussi ça. Et... Les djihadistes étrangers quittent peu à peu la Bosnie. Certains s'y cachent avec la complicité des autorités bosniaques. Leur rancœur est grande. Ils se sentent trahis par l'Occident et certains dirigeants bosniaques. Pour beaucoup, la guerre sainte ne s'arrêtera pas là. Chapeautés par la nébuleuse terroriste qui s'est formée en Bosnie, des groupes autonomes s'infiltrent dans toute l'Europe. Les services secrets occidentaux s'affolent. Des cellules sont démantelées en France, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, en Suède et même au Canada. Et puis, tout de même, ce reportage sur une famille bosnienne qui nous montre bien que, même si beaucoup de fondamentalistes sont partis, leurs enfants en tout cas sont là, et l'aide de l'Arabie Saoudite ne fait pas défaut. Pantacourt et Barbe Longue. Ces jeunes bosniens ne sont pas hipsters, mais salafistes. Ils veulent vivre comme leur prophète. En plein centre-ville de Sarajevo, plagiant Facebook, ils tentent de séduire petits et grands en vantant un islam basé sur la charia. Bonbons d'une main, livret coranique de l'autre. Allez-y, servez-vous. Ça, c'est pour les enfants, une cinquantaine de très belles histoires. Je suis heureux quand je vois que l'islam progresse et se propage. En Bosnie, l'islam majoritaire coexiste avec le catholicisme et l'orthodoxie depuis 600 ans. Ici, des musulmanes sans voile ou des musulmans consommant de l'alcool ne choquent personne. Une approche libérale que Bakir a rejetée il y a un an pour se convertir au salafisme. Pour trouver le véritable islam, il faut s'en tenir à l'interprétation des premiers siècles, mais pas aux interprétations modernes, souvent polluées, car elles sont influencées par la philosophie occidentale. En Arabie Saoudite, ils sont restés dans le plus pur islam. Les musulmans de Bosnie représentent 45% de la population. Hier encore, il était impossible de les distinguer. Aujourd'hui, barbe, tunique longue, hijab, niqab restent minoritaires, mais se banalisent. C'est surtout un effet de mode, même si cela paraît un peu fou de dire ça. Beaucoup de ces filles qui portent le voile sont directes et très sûres d'elles. Mais je sens que c'est un changement par rapport à ce que nous sommes réellement. Rejetées par une majorité de Bosniens, les salafistes vivent en marge. Mirsad et Azra sont tous deux nés ici, à Sarajevo. Aujourd'hui, le couple s'est engagé dans l'humanitaire. On ramène un fauteuil roulant à une petite fille de 7 ans, Sarah. On avait lancé une action pour elle. La petite fille est atteinte de plusieurs maladies lourdes. Ces photos seront postées sur la page Facebook de son ONG islamique pour générer des dons. Salam alaikum. Alaikum salam. Il faut juste gonfler les pneus. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut rentrer voir Sarah? À la première rencontre, la petite avait pris peur et pleuré. Mais elle a fini par s'habituer au voile intégral. En 2008, pour 20 millions d'euros, les Saoudiens érigent la plus grande mosquée des Balkans. Au pied d'immeubles toujours défigurés par la guerre, des milliers de croyants comme Bakir, chaque jour, s'y pressent. À l'intérieur, de larges salles de prière, mais aussi de sport, de cours de langue et de conférences. La mosquée passe pour radicale. Pour y entrer, l'imam a exigé que nous nous présentions à l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Elle acceptera car ce soir-là, le royaume envoie 50 Bosniens triés sur le volet faire le pèlerinage à la Mecque, tout frais payé. Moi, je suis revenu en Bosnie-Herzégovine deux fois pour voir des combattants, mais également pour prendre la température de la Bosnie. Arrivé sur la Sniper Alley, là se dresse l'Assemblée nationale qui réunit maintenant les représentants élus de toutes les composantes serbes, croates
et Bosnien de l'État de Bosnie-Herzégovine. Cet immeuble, 20 ans auparavant, était le quartier général des francs-tireurs bosniaques. J'y avais rencontré un jeune homme, Goran, d'origine serbe, mais combattant contre eux, pour les forces bosniaques, qui m'avait interpellé. J'ai décidé de le revoir, c'est pour cela que j'étais à Sarajevo. Oui, je suis étudiant en biologie. Qu'allez-vous faire après la guerre ? Ouh ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que moi... Quand la guerre s'arrêtera, je vais aller sur une île. Regardez le reflet des étoiles sur la mer. On the sea. Do you understand me? Yeah. All fighters. Tous les combattants après la guerre ont besoin de paix. What I mean? Qu'est-ce que je veux dire? Peut-être je veux finir mes études. I want to finish the study and try to live in et essayer de vivre normalement. If I stay alive. Si je reste en vie. Cela n'avait pas été facile de le retrouver. Dès la fin des combats, en 1995, j'avais essayé de le revoir en vain. Puis, grâce à YouTube, je réussis à le joindre après des années de recherche. Goran était devenu, me dit-il, mercenaire dans une grande société américaine, cotée en bourse, Blackwater. Blackwater qui est devenue Academy, société semblable à celle dont on parle vraiment beaucoup maintenant, Wagner. Mais Goran, lui, avait combattu en Irak et en Afghanistan. Afghanistan, où je le joignais pour lui donner un rendez-vous à Sarajevo. On le voit ici avec ses camarades de combat, mercenaires comme lui. Alors, que pensez-vous de cet immeuble ? Ah, c'est l'immeuble des hautes instances. Vous connaissez cet immeuble ? Ah oui, je connais très très bien cet immeuble. Je connais chaque pièce, chaque étage de cet immeuble. À ce moment-là, la Bosnie était vraiment explosive. La population se révoltait contre les politiques bosniens, qui étaient complètement corrompus. À la fin, quand Dayton a été signé, nous nous sommes tous retrouvés comme s'il n'y avait jamais eu de guerre. On a jeté nos armes. La politique est vraiment très bizarre à Sarajevo. Il s'agit d'un petit cercle de gens qui veulent dominer. Ils veulent des carrières. Ils ont tous bâti leur carrière sur ces croix blanches. Nous, on demande qu'une chose. Du travail pour vivre, pour survivre. Je n'ai jamais entendu parler qu'une personne normale se soit enrichie grâce à la guerre. C'est plutôt le contraire. Il n'y a que les chiens de guerre et les politiciens qui en ont profité, ne sachant pas résoudre les problèmes que nous avions autour d'une table, mais par-dessous la table. Tous les postes intéressants de l'État sont entre les mains de nos dirigeants et de leurs familles.
And Goran is still my friend. Tu vois, Goran est toujours mon ami. Rien ne change entre nous. Mais tu vois, la politique, c'est autre chose. Fucking politicians. Putain de politique. Ils appauvrissent la population. Mais que pouvons-nous faire? On aurait dû s'en apercevoir avant. But what are we gonna do? We live together like before. Tout le monde y perd, sauf les criminels. Nobody. Bienvenue à Sarajevo, Philippe. Et maintenant, il suffit de voir ces hommes allongés sur le sol devant le Parlement. Des hommes qui se sont tirés les uns sur les autres, qui aujourd'hui se sont réunis sous le drapeau bosniaque et exigent de concert la reconnaissance de leurs droits. La plupart d'entre eux viennent de comprendre qu'ils ont été dupés par leurs leaders politiques, par les nationalistes. S'ils avaient su ce qu'ils savent aujourd'hui, jamais, je dis bien jamais, ils ne se seraient tirés dessus. Jamais ils auraient fait la guerre. Non mais regardez comment on dort sur le béton, dans le froid, depuis 22 jours. On est des vétérans, on a fait toute la guerre depuis le début. On a versé notre sang pour cet État. Les politiques en ont profité pour s'enrichir pendant et après la guerre. Ils en profitent, même encore aujourd'hui, 20 ans après. Ils conduisent des voitures les plus chères d'Europe, alors que leur peuple n'a pas de quoi à manger. On est tous là réunis, Serbes, Croates, Bosniaques, pour se battre contre l'injustice. Nous voulons notre dû. Vous avez des gens ici, moi aussi, qui ont emprunté de l'argent pour venir manifester. Et nos familles n'ont pas de quoi manger à la maison. C'est la soupe populaire de Sarajevo. De nombreuses personnes y viennent pour trouver un repas. La responsable du lieu est vraiment très, très en colère. Eh bien, regardez la brasserie de Sarajevo. Ils doivent 14 millions aux impôts. Et c'est pas un problème. Qui autorise ça? Moi, je dois 50 euros. Mes employés n'auraient pas de sécurité médicale. Et ce sont des magouilles. En plus, tout le monde est au courant. Tout le monde. Bravo maestre, champion. Ma se ti igraj za polfinale, finale i ostaje. Drugo. Izvolite. Maestro nas. Da, jeste. Evo ga sada šampion. A to je da je prilikom spavanja. Živeli! I dobar borac. Zdravo, isto zdravo. Pa ali, narod ili ne vidi ili neće. C'est la politique. On n'avance pas. Rien, absolument rien n'avance. La politique au niveau de l'État, les cantons ne font rien. C'est une politique nulle. Le système des trois présidents, on ne peut rien faire avec ce système des trois présidents. Notre représentant ne peut rien faire si les deux autres ne sont pas d'accord. Personne ne peut rien faire. Le système est complètement immobile.
Manque de travail, chômage, chômage record, la Bosnie n'est plus un pays où rester et fonder une famille. Les jeunes bosniaques partent travailler en Europe, en Allemagne et en France en particulier. Et certains se sont exilés aux États-Unis également. Le travail en Bosnie-Herzégovine est très limité. On ne peut pas allier le pays, le travail et l'argent. Autre problème bosniaque, l'école. L'école qui reflète bien la situation actuelle entre les communautés bosniaques et croates. Al kako smo mi sad prava dobro da nas svrstaju turbe, getoizacija i tako to. Nous, on n'a pas un ministère d'instruction et d'éducation au niveau de central, au niveau de la Bosnie-Herzégovine. On a 13 ministères d'instruction au niveau cantonal, au niveau de l'entité qu'on appelle fédérale. Le programme scolaire sur l'histoire utilise des livres différents. On apprend, on nous enseigne trois histoires différentes, c'est-à-dire interprétation serbe de l'histoire, interprétation croate de notre histoire et interprétation bosniaque de notre histoire bosnienne, je dirais. Donc Och, a gdje sada? Chez nous, il existe un phénomène très particulier et très absurde à la fois, qu'on appelle deux écoles sous le même toit. Par exemple, on a des écoles en plusieurs villages en Bosnie centrale où on a des communautés où vivent les Bosniaques et les Croates ensemble. Et on a des écoles où les enfants bosniaques ont une entrée séparée pour leur classe et on a une entrée pour les enfants croates pour leur classe. Les professeurs sont différents, le programme est complètement différent. C'est de la folie. Je ne sais pas comment interpréter ce phénomène. C'est une ségrégation et l'objectif final est tenir nos enfants dans l'ignorance. C'est tout. C'est contre ce que vous êtes, c'est contre quoi vous vous êtes battu. On est bien d'accord. On pourrait dire. Donc on pourrait dire même que vous vous êtes battu pour rien. On pourrait le dire, oui. On pourrait le dire. Je ne sais pas quoi d'autre dire. On passe par là car tu te rappelles, c'était la Sniper Alley de Dobrynia. Do you remember this building here? Yes. Tu te rappelles de cet immeuble? C'était là où mon ami et sa mère habitaient. Je t'y avais emmené. But she lives now in the other place, and we will go later on to visit that other place. She's not here anymore. Thank you.
L'appartement est sur la ligne de front. Côté bosniaque, tout est intact. Côté serbe, tout est détruit. Où allons-nous? On veut visiter la nouvelle demeure de mon amie Stella et de sa mère. Voilà, c'est là où elles sont maintenant. That's the place where my friend Stella and her mom lives today. C'est l'appartement le plus intact de tout notre immeuble. Je suis ici en première ligne. Elle s'assoit et elle attend les obus. Oui, oui, je m'assois, j'attends les obus. Qu'est-ce qui se passe quand les obus tombent? Rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien, on descend à la cave et on attend que ça se passe. Nous, on n'a rien fait à personne. On ne veut pas quitter nos maisons, nos immeubles. C'est tout ce que nous avons. Nous n'avons rien d'autre ailleurs. Nous devons vivre ensemble, mais comment? Mon père ne m'a jamais dit de faire la différence entre les gens. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Il y a trop de haine. Je sais pas pourquoi. Je sais vraiment pas pourquoi. Et maintenant, je pense que nous devons instruire nos enfants. Pas pour faire de différence entre les gens, mais ils doivent savoir qui ils sont. En 1993, elles sont allées au puits pour prendre de l'eau, à Dobrynia. Et l'armée serbe les a tuées. Ils ont tué également je ne sais combien de personnes pour de l'eau, simplement de l'eau. Je ne sais pas exactement le nombre, mais nous pouvons trouver, je crois, entre 10 et 20 personnes dans la queue pour de l'eau, pour 20 litres d'eau. She was more than my friend. Ah, c'était really. Une amie. C'était un ange. A real angel. Real. Real angel. J'étais amoureux d'elle. I was in love. For many years of this girl. Nous n'avons jamais été ensemble, malheureusement. But we've never been together. Alors la Bosnie est-elle sur le point d'exploser, comme certains le prétendent? Les Serbes et les Croates veulent-ils se séparer de l'entité musulmane? Nul ne sait vraiment, 27 ans après la signature du traité de Dayton. Mais l'OTAN veille. Bon, eh bien écoutez, j'espère à bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas le pouce et partagez et abonnez-vous. Au revoir.